What's up l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Nouveau vlog, la semaine dernière, donc semaine 4 du Road to Astérix, j'ai fait beaucoup de paddle, je me suis entraîné parce que j'avais un tournoi et j'ai fait juste deux séances de muscu. Mais là cette semaine je suis revenu à fond, j'ai fait plein de séances en lourd. Du coup là je suis parti pour ma cinquième séance de la semaine déjà. On est en fin de semaine donc c'est normal. J'ai poussé lourd toute la semaine. Là, je vais me faire une séance un peu de pump. Donc, pas trop lourd, pas mal de répétitions, pas mal de volume. On va faire les bras et les abdos. Magnifique, c'est une des meilleures séances. On va voir aussi où en est le physique. Parce que ça fait deux semaines et ça a pas mal bougé quand même. Donc, je vous montre ça. On est parti. Grosse séance. Et on est de retour à la maison avec de quoi manger. On a du poulet, ici c'est des lentilles avec des patates douces et ça c'est du fenouil, c'est ça? Ouais. Ça c'est du fenouil, là on a une soupe miso. Et voilà, bon ça fait pas beaucoup de calories mais parce qu'au dessert on a quelque chose d'assez consistant. Une tarte au fromage, donc on va manger ça tranquille, assez light sur le repas pour pouvoir manger plus de dessert. Ça c'est l'optimisation. Et le physique, vous avez pu le voir, bouge vraiment bien. Donc pas besoin de couper les glucides et tout ça pour le moment. On a largement de temps, on est quoi en février. Donc il y a encore deux mois tranquille. On a le temps de voir venir. Et puis voilà. En plus de ça, j'ai pu bronzer les derniers jours, donc c'est un peu un cheat code. Quand t'es bronzé, tu rends toujours 10 fois mieux. Donc le physique qui s'est amélioré, le bronzage qui a augmenté, et du coup ça fait que le physique est beaucoup mieux. Bref, on mange ça et go travailler. Il est 4h, vous connaissez le rituel. Là c'est du fromage en granulé, alors je sais plus comment ça s'appelle, du cottage cheese normalement. Je sais pas s'il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup en Espagne, au Portugal. Mais en France, c'était galère à trouver en vrai. C'est un peu comme du... ça a le goût un peu de fromage, c'est pas très sucré. Et avec ça, j'ai mis, comme d'habitude, abricots et cajou. Et je continue de bosser sur la vidéo. On est parti. Ça. Oui. Bon, finalement, après quelques semaines d'attente, vu que j'ai pas sorti des vidéos, j'ai tourné plein de vidéos avant, mais je les ai pas sorties parce que
En gros, on partait une semaine. Du coup, j'ai tout filmé avant. Je me suis dit, je prépare tout pour que ça soit posté automatiquement les dimanches où je serai pas là. Et au final, j'ai tout filmé et j'ai pas eu le temps d'éditer parce que j'avais trop de trucs à filmer. Enfin, parce que j'avais filmé trop de trucs. Du coup, j'ai pas eu le temps d'éditer. Du coup, ça repousse maintenant à 3 semaines depuis la dernière vidéo. Et donc, entre-temps, la météo a un peu évolué et maintenant, on peut enfin se poser à la plage. Il fait pas hyper chaud parce qu'il y a un petit vent frais. Mais quand il n'y a pas de vent, on crame. Regardez le spot qu'on a trouvé, il est merveilleux. Le sable est genre archi doux. Et on a une vue sur la montagne là-bas. Derrière, on a des petites dunes. Du coup, on en a profité pour ramener les stand-up paddles. Donc, on va manger en premier, comme d'hab. Du jambon, carottes, fromage, fruits secs. Donc, on se ressource et on va aller à l'eau. Parce qu'elle est trop trop belle. Il n'y a pas de vague comme le dernier jour. Pas de vague, pas de vent. On peut faire du stand-up. En musculation, j'ai souvent parlé de deux choses. La première chose, c'est l'alimentation et la deuxième, l'entraînement. Et il y a une troisième chose qu'on ne voit pas et que j'ai longtemps pas abordée parce que en musculation, on va dire que c'est pas primordial parce que en vrai, juste tu vas t'entraîner et tu manges bien et tu as des résultats normalement. Il n'y a pas cette troisième partie qui est le mental qui entre tant en jeu comme dans la plupart des sports. Et je voudrais en parler justement parce que dernièrement, j'ai été confronté énormément à cette partie mentale, que ce soit surtout en suivant des combats dernièrement, comme le combat de Ilia Topuria ou alors Sean O'Malley à l'UFC, donc ceux qui suivent le MMA, vous savez qu'ils ont combattu il n'y a pas si longtemps. Et on a vu à chaque fois qu'il y a eu une partie mentale qui était très importante. Donc on le sait, dans les sports de combat, le mental, ça, c'est très important. Mais là, on avait un point de vue extérieur, on avait le coach de Sean O'Malley qui parlait de la prépa mentale avec son athlète. Et surtout, on a vu dans les backstage un truc que j'avais pas remarqué. C'est juste avant le combat, il va l'encourager et lui dire: too fast, too fucking slick, baby. Let's go, the best. The best. Right here, right now. Too fast, too focused. T'es le meilleur, t'es le plus rapide. Et il lui répète ça, t'es le plus rapide. Et en fait, cette chose-là, l'auto-persuasion, je pense que c'est une partie qui est très importante et que on n'aborde pas trop en musculation vu qu'on n'en a pas besoin. Mais dès qu'on va dans un autre sport ou alors qu'on a d'autres défis dans la vie, cette auto-persuasion, elle va nous aider à faire plein de choses. Donc, par exemple, dans la partie business, dans la partie, j'en sais rien moi, dans plein de choses dans la vie, ça va être hyper important. Et là où la musculation va nous aider, ça va être d'avoir confiance en soi et de savoir qu'on peut dépasser nos limites. Donc si tu vas tous les jours à la salle et que tu pousses 100, tu sais que le lendemain, en fait, le but, ça va être de pousser plus lourd, donc de dépasser ses limites. Et donc ça joue mentalement parce que tu sais que tu peux dépasser tes limites, tu es capable de faire plus de choses aujourd'hui et tu seras encore plus capable le lendemain
parce que tu sais que tu peux évoluer, que ta limite c'est toi et c'est l'entraînement qui va repousser cette limite. Donc mentalement la musculation c'est super bien, donc ça aide évidemment pour le physique si tu fais d'autres sports et ça t'aide aussi pour la prépa mentale. Mais il y a encore plus de choses à explorer au niveau de la prépa mentale. C'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est un sujet que j'ai bien envie d'explorer plus profondément dans les mois à venir, parce que ça revient très souvent dans ce que je fais actuellement dans le paddle ou alors dans le business. Et bon, moi j'avais jamais eu besoin de pousser plus que ça parce que mentalement, déjà tout allait bien. J'ai de la chance pour ça, et en plus de ça, je suis quelqu'un qui est très sûr de lui. Donc ça me permet d'aller loin parce que je sais que je suis capable de faire des choses, même si l'environnement va me dire que j'en suis pas capable. Moi je sais au fond de moi-même que je suis capable de le faire et ça m'a permis de faire plein de choses. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est un commentaire qui a été laissé sur ma chaîne de paddle il y a environ 7-8 mois, quelque chose comme ça, me disant qu'au bout de 3 mois j'avais déjà arrêté, enfin voilà, en se moquant en quelque sorte. Et donc du coup on en vient maintenant, j'ai travaillé dur pendant 6 mois, quelque chose comme ça, sans publier rien de mon côté, et j'ai continué à progresser, à chercher des gens pour progresser, et maintenant j'ai réussi à faire monter la chaîne. On est dans le top 5 des chaînes de paddle les plus vues au monde actuellement, donc on est parti de rien et on a réussi à faire quelque chose d'absolument énorme dans le milieu du paddle, et que ça continue à grossir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu moins de vidéos musculation, parce que j'étais focus vachement sur ça. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette partie mentale qui est importante dans le business et qui ne ressort pas tant en musculation, alors que ça nous aide énormément. Donc voilà. Voilà, c'est un petit peu brouillon, mais je voulais aborder un petit peu ce sujet là maintenant que ça me passe par la tête. Si j'ai d'autres choses qui me viennent, je les noterai et on en reparlera comme ça, parce que je pense que c'est un aspect qui mérite d'être développé un peu plus. Donc voilà, j'espère que cette petite aparté vous a plu. On se retrouve pour une vidéo très vite, je vous abandonne pas, on reprend à fond là les vidéos de muscu. L'été arrive en plus, il y a encore de quoi sécher, donc on est reparti. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Ciao.